Il y a bien des années, la destruction de Draenor a sonné le glas de la guerre entre les orques et les humains. Depuis cette époque, la Porte des Ténèbres est restée silencieuse, nimbant de mystère le destin de ceux qui restèrent bloqués derrière son seuil, jusqu'à aujourd'hui. En Outre-Terre, parmi les vestiges épars du monde natal des orques, se dresse la citadelle des Flammes Infernales, la base d'opération de la Horde au cours des deux premières guerres. La citadelle a été redécouverte intacte, mais pas abandonnée. Des gangrorques sauvages se sont emparés de la forteresse. Leur soif de sang primitive est alimentée par une force démoniaque inconnue. Comme en attestent les cris de souffrance qui résonnent sous la citadelle, le pouvoir énigmatique qui a renforcé les rangs des gangrorques ne restera pas caché bien longtemps.